Coucou les cupcakes, c'est moi, on se retrouve. On est du coup le vendredi matin et du coup on est le vendredi 18 décembre. Et je vous emmène avec moi pour une nouvelle journée ensemble tout simplement. Voilà, écoutez, j'ai une to-do list énorme. Je dois avoir une vingtaine, trentaine de choses à faire notées dessus. Et voilà, je vais faire ça aujourd'hui. J'essaie de vous montrer le plus de choses possible et je vous dis à toutes. Je vous reprends, il est 9h, j'ai été emmenée à l'école, je suis rentrée, je me suis maquillée vite fait, je fais un petit truc, voilà, je sais pas, pour aller un peu avec cette robe, je me suis dit que c'était sympa. J'ai pas mis de rouge à lèvres puisque j'ai pas pris mon petit déjeuner et je vais avoir le masque et tout, je sais que ça va me saouler dans la journée, il va s'effriter donc j'en mets pas. Je vais faire, donc là ce que je vais faire c'est que je vais tourner la petite bucket list, je prends mon petit déj et je fais du montage. Et voilà, je vous emmène avec moi parce que j'ai le linge et le lunch à préparer aussi, il y a plein de trucs à faire cet après-midi mais je pense que ça c'est les priorités du matin. Donc bah écoutez, c'est parti. Non, c'est dur. C'est dur? C'est un gros neuf. Non, je crois pas que ce soit un gros neuf, mon chat. Un gros neuf. C'est pas un gros neuf. Non. C'est quoi? Bah, c'est dur. C'est juste un Kinder? C'est un Kinder. Oh, regarde plus, il y a qui dessus? Bah, c'est un Papa Noël. Et à côté, il y a qui? C'est des rennes. Oui, c'est des rennes. T'es content? C'est quoi ça? Bon, la bucket list, c'est fait. Du coup, il va falloir que je m'attelle au montage. Je vais faire mon petit déjeuner pour le prendre avec. J'ai pas très envie d'un thé, là, maintenant. Du coup, enfin, si, mais d'un thé à la menthe, il n'y en a pas dans le calendrier. Donc, du coup, je pense que je vais me faire mon thé à la menthe à côté. Je prendrai le thé pour le goûter. On va faire ça. De toute façon, c'est que des goûts qu'on a déjà goûtés. C'est beaucoup le mot thé quand même, bref. Du coup, je vais me prendre un thé à la menthe, je vais me faire sûrement un bol de céréales, me poser devant le PC, commencer le montage, et je vous emmène avec moi. Et désolé derrière, vous risquez d'entendre Discord et Papel miauler de ouf, elles sont en chaleur, en plein hiver. Tout va bien. Bref, je m'attelle à tout ça. Bon, du coup, ce matin, c'est un thé vert à la menthe. Et là, c'est les nouveaux Coco Pops que j'ai acheté chez Noz. En fait, je pensais que c'était des riz soufflés nature. Et en fait, pas du tout. C'est vraiment des Coco Pops au chocolat blanc. Et du coup, je mets un peu de lait d'amande. Et ça ira très bien pour ce matin. Voilà. Et c'est parti pour le montage du vlog d'hier qui doit sortir du coup aujourd'hui. Voilà. Et voilà, bon, elle est pas parfaite, mais moi je l'aime bien. Du coup, ce midi, j'ai fait de la semoule, des escalopes et un bouillon comme ça avec du couscous. Oui, j'ai fait couscous, en fait, j'ai fait des légumes. J'ai fait des carottes, des courgettes et des brocolis. Comme ça, pour manger avec la semoule. Après, moi, je préfère manger la semoule et l'escalope et les légumes plus le soir. De toute façon, j'aime pas trop les légumes de couscous. Donc voilà, mes doudous adorent ça, donc c'est cool. Et vu tout ce qui reste, à mon avis, il y en a encore pour ce soir. Là, on a un Orphée qui boude. Et un petit boubouille qui se régale. Bon appétit, mes amours. Recoucou, je vous reprends, il est 14h20. Là, du coup, je suis en train de voir pour essayer de mettre à jour mon vieux PC. Et de le... J'ai revissé une vis et tout pour que l'écran tienne. Et il faut que je vide un petit peu, etc. Voir si ça fonctionne bien quand même, si je fais Movie Maker dessus. Comme ça, si ça fonctionne bien, il me semble que c'était le cas, je l'emmènerai du coup chez mes parents pour faire le montage. Et ensuite, je me servirai de leur PC sur lequel il y a Internet pour vous poster
les vidéos tous les jours. Aïe. Et comme ça qu'il n'y ait pas de retard. J'essaye de faire ça les gars, je vous promets rien mais normalement ça devrait être faisable. Donc je suis contente. Donc du coup je fais ça et après je passe à l'aspirateur. Voilà. Bon, on se retrouve les gars, je suis avec Boubouille. Je viens de recevoir un colis, donc je suppose que ce sont mes autres chaussures. Mais avec un emballage comme ça, je ne suis pas très convaincue. Voilà. Donc au pire, je m'attends à rien. Au pire, je m'attends à rien, je serai quand même déçue. Concentrée pour éviter de couper la chaussure, ce serait con. Il y a vraiment quasiment aucun emballage autour. Fin de chez fin. Putain, par contre c'est chiant à ouvrir. Putain, mon nom a l'air beaucoup trop grande encore. Qu'est-ce qu'ils foutent avec les tailles en ce moment, c'est pas vrai. D'habitude je commande, j'ai jamais de soucis, mais alors là, elles ont l'air énormes. J'en sais rien. Ok, donc ça c'est du plastique polystyrène, je sais pas quoi. Hein, ça va pas faire mon feu, clairement. J'aimais bien le design de la chaussure. On va voir porter ce que ça donne. Mais les gars, je vous avoue que... Je l'ai dit, je m'attends à rien. Le design déjà est moins catastrophique que celle d'hier, mais bon. Je sais pas comment vous expliquer. Avant, plus jeune, j'avais des plateformes et genre elles étaient lourdes, mais lourdes. Et là, elles sont mais genre ultra légères. Genre vraiment, elles sont genre je la tiens sur un doigt quoi. J'aurais jamais fait ça avec mes autres plateformes plus jeunes. Hein. Bon, bah écoutez, je vais essayer ça. On va voir ce que ça donne. Hein. Bon, je crois que j'ai vraiment un souci avec la forme en fait, encore une fois, genre, et j'ai l'impression que ça me fait des pieds énormes. Pourtant, d'habitude, je prends 42 sur les sites chinois parce que sinon c'est trop petit, mais là mon pied il est au bout et vous voyez, je suis quand même super large dedans. Je sais pas, il y a un truc pas ouf. Attends, mon zé. Bon, écoutez, au pire, je les porterai quand j'ai la flemme pour aller le matin à l'école ou je sais pas. Zézé ! Mais c'est pas ouf, ouf quoi. Je suis mitigée, à voir. Re-coucou, je vous reprends, il est 16h45. Du coup, j'ai bien avancé dans mon ménage et dans ma to-do list. Et du coup, bah là, je me suis remis sur les dessins des petites cartes de Noël. Je suis plutôt contente, ça me faisait du bien. J'ai été chercher Orphée, Thésée s'est endormi là, donc il fait un petit peu de sieste. Orphée regarde les mignons. Enfin, moi, chez mes gens, le 1 parce que le 3, voilà. Et il est revenu de l'école avec tout plein de trucs. Déjà, cette année, ils ont fabriqué pour Noël, ils ont fait une petite boîte comme ça. Et en fait, dedans... une espèce de petite poterie en forme de fleurs et tout, avec une vraie plante au milieu, dans un petit pot pailleté. Voilà, et Orphée a dit qu'il a mis pas mal de roses, parce que bah, maman adore le rose. Je trouve ça trop mignon. Voilà. Ils ont également eu un petit livre qui s'appelle Billy cherche un trésor. Donc ça, c'est super mignon. Et je crois que c'est des mamans qui ont fait ça, parce qu'ils sont revenus avec plein de paquets de bonbons. Donc il en a un avec des espèces de Smarties, une truffe au chocolat, une papillote... avec un petit Père Noël et tout. Et après, il en a deux autres petits comme ça. Donc là, il y en a avec des petits bonbons. Comme ça, en tout genre. Là, également, avec aussi des Kinder. Donc, bah, moi, je pense qu'il partagera avec Orphée quand même à la maison. Il y a une petite sucette et tout. C'est adorable. Je sais pas du tout d'où ça vient. Enfin, je sais pas. Orphée me dit que c'est des mamans qui ont ramené ça. Voilà. Du coup, bah, écoutez. J'avais pensé à faire un truc comme ça. On avait pensé à ramener des papillotes et tout pour l'école. Mais on s'est dit avec le Covid, est-ce qu'on a le droit de ramener genre un paquet de bonbons pour la classe complète, etc. Je savais pas, donc je pense que oui. Du coup, pour les prochaines vacances, je pense qu'on fera ça. Je ferai moi-même des petits sachets aussi pour sa classe ou un gros paquet, enfin que le maître partagera. Et voilà. Du coup, écoutez, je vais ranger ça dans le placard à cochonnerie avant qu'ils aient envie de trop en manger. Et je vais lui donner son... Enfin, il va peut-être en prendre une là avec son goûter. Et je vais mettre ça en hauteur pour pas qu'il soit abîmé parce que c'est vraiment trop mignon. Et voilà, voilà, je vais continuer mes cartes, je pense, un petit moment là, parce qu'il faut vraiment que j'avance. Après, il faut encore que je colorie tous les... Faut que je finisse de faire tous les ours. Faut que je les colorie tous un par un.
que je les découpe et que je les colle sur chacune des cartes, puis que je remplisse chacune des cartes. Ça va me prendre un petit peu de temps. Voilà. Let's go. Du coup, les garçons, ils goûtent ça. Ça a l'air d'aller. J'ai goûté, c'est trop bon. Ça goûte comme les pop-corn parce que c'est vraiment que du maïs soufflé. C'est trop, trop bon et ça coûte 50 centimes chez Noz. Je regrette de ne pas en avoir pris plus. Les 22h passées. Du coup, les garçons, je leur ai fait des frites ce soir. Ils ont mangé tranquillement. On a regardé un dessin animé. Là, j'ai continué mes cartes. Donc, j'ai plié tous mes cartons en craft, comme ça, un peu couleur craft et tout. Ils sont tous pliés, donc prêts. J'ai commencé à colorier la plupart des oursons. Enfin, la plupart. Je crois que j'en ai colorié 5 ou 6 sur 15. Ouais, c'est ça. Bah, sachant qu'il y en a, c'est des ours polaires, donc ils sont pas beaucoup coloriés. Mais voilà, ça prend du temps, je les ai tous découpés. Entre temps, pour un ami, il m'a vu faire des ours, il m'a dit « fais un chat ». Du coup, j'ai fait un chat avec un pull de Noël inspiré Rick et Morty. J'ai fait le cornichon, voilà. Du coup, j'ai fait ça. Et puis tout à l'heure, je parlais avec Doudou en regardant en écoutant de la musique et en faisant ça. Parce que du coup, à 22h, vous vous dites bien que Doudou est rentré. Et voilà, c'est tout. Donc je vais pas tarder à me coucher, je pense, parce que je commence à fatiguer. Je veux pas trop me redécaler pour pouvoir me lever quand même demain, même si on est samedi. Et voilà les gars, bah écoutez, je vous reprends un petit peu après, je pense, et voilà. Je vous reprends, je suis dans le lit et je suis trop contente parce que du coup mon ancien PC et tout à l'heure, je vous ai dit, j'ai remis un peu à jour et tout, et vu qu'il recapte internet et tout simplement je l'ai mis dans la chambre, comme ça les enfants pourront pas le casser ni rien le temps qu'on est chez maman ou quoi. Et on peut se mettre Netflix dans le lit. C'est la fin d'haricots, les gens. Du coup, je viens de me remettre Sugar Rush, posé tranquillement, vu que Doudou est encore en bas. Je sais, je suis pas encore démaquillée, faut que je fasse ça juste après. Mais là, j'ai la flemme. Voilà, bref. Je pense que je vais vous laisser là. Et je vous dis à demain pour le vlog. Bisous.